Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, je ne sais pas, et bienvenue dans les tests vidéo de production.com. Avec moi Linux, ça va bien? Ça va, et toi? Ouais, ça va, nickel. Salut à Alors tous. aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va se tester? On se teste Harry Potter et la coupe de feu. Alors Harry Potter et la coupe de feu, c'est le quatrième épisode de Harry Potter. Il était sorti les trois autres épisodes sur console aussi. Et le film sort le 30 novembre. C'est bien, t'as suivi, c'est bien, t'as bien répété. Et donc c'est la licence du film là auquel on va jouer, et non pas la licence du livre. Donc on va le voir, c'est quand même une agréable surprise. Hein. Ah. Enfin, ouais. Agréable surprise, attention, hein, il faut pas non plus déconner. C'est pas le jeu à posséder, mais bon, c'est quand même bien sympa. Donc déjà ça c'est ça le, ça en fait c'est le menu. Pas mal. Enfin c'est le menu. Voilà. Donc on va se faire une nouvelle partie. Ça fait un petit peu Star Wars, hein. Ouais, c'est vrai. Alors nouvelles aventures de donc Harry Potter, Hermione, Harry Potter, Hermione et Ron, voilà. Qui sont les trois protagonistes du film et donc a fortiori du jeu. Donc petit avantage, c'est que maintenant on peut jouer à deux, voire à trois au jeu. Oh, terrible. Et on est en collaboration. Voilà, ou... ouais, c'est ça qui est bien, on est en coopération. Et regarde-moi ces graphismes quand même. Ah ouais, pas mal. Hein. Hein, on reconnaît relativement bien les. Ouais. Enfin oui, on les reconnaît. On les reconnaît, je veux dire, c'est flagrant quoi. Donc je pense qu'il faut que tu appuies sur Start. D'accord. Voilà. Logique main. Et là tu choisis ton personnage. Donc moi je vais prendre Harry Potter. Moi je vais prendre la. j'allais dire Hermione. Oui, Hermione. Voilà. Donc c'est Hermione. La copine. Voilà, tu peux appuyer sur la croix. Impeccable. Les habitants de Little Angleton l'appelaient toujours la maison des jeux du sort. Un demi-siècle plus tôt, une servante avait trouvé les trois jeux du sort morts. Oh, peut-être pourrions-nous nous pas faire de garçon maître. Non. Harry Potter est indispensable. Il en sera ainsi. Harry Potter et ses amis, Ron Weasley et Hermione Granger, s'étaient rendus en Porto loin à la finale de la Coupe du Monde de Quidditch, où l'Irlande l'emporta sur la Bulgarie. Cette même nuit, je laisse découvrir les vidéos. Morts, ça c'est important que tu vois ça justement. De Voldemort, on en reparle après. Dévastèrent le camping. Arthur Weasley renvoya Harry, Ron et Hermione au Porto loin. Donc Arthur Weasley, c'est le papa de Ron, hein, pour info. Je me rappelais plus. Le Rooks. Ben voilà, je suis là pour te le rappeler. Donc là, voilà, c'est ça, la grande déception de ce jeu, c'est qu'on a aucun extrait du film. D'accord. Tout est fait sur multiplan, papier. Ah, d'accord, ouais. Okay. Donc ça, c'est un peu gavant. Par contre, on a toutes les voix, je mets sur Star, excuse-moi, on a toutes les voix originales du film. Ouais. Donc c'est les vraies voix, on les verra créer, tout ça pendant le jeu, donc ça, c'est assez intéressant. Et on va le voir graphiquement, c'est quand même très très joli, quoi. S'est fait allumer, là. Nous devons nous éloigner du camping. Voilà, donc là c'est c'est Simone. Hein. Alors, tu m'expliqueras un peu les touches du jeu. Alors voilà. Alors je t'explique, c'est pas compliqué. Donc tu as une baguette. D'accord. Surtout Harry Potter a une baguette. Et avec donc croix, tu balances donc des petits sorts. D'accord. Hein, comme ceci. Après, t'as les pouvoirs spéciaux, ce qu'on appelle les invocations. Ouais. T'appuies sur carré où là tu vas pouvoir faire, je sais pas, c'est le, je sais comment, le machin Leviathum là, tu vois par exemple. Leviathum. Ouais. Voilà. Qui en te fait, permet c'est, de. C'est des formules, mais c'est voilà, selon. Voilà. C'est selon. Formules. C'est variable avec le carré. Voilà. Ou c'est la variable. D'accord. C'est variable. Donc tu vas avoir un truc qui va te permettre d'avoir une sorte de main élastique pour retirer des trucs. Et ça se passe comment? C'est selon la situation? C'est selon la cible. D'accord. C'est selon la cible. Cible. Voilà. C'est pas en fonction d'un bonus pris préalablement ou quoi? Voilà, non, pas du tout, pas du tout. Donc là, tu vas voir, on va voir un premier monstre. Donc je te le laisse, ça, évidemment. Là, il suffit de le dégommer, hein. D'accord. Tu vois, comme je te montre, Hop, tu vois, là, je fais un Leviathan. Un Leviathan. Et toi, tu peux tirer en même temps, tu vois, ça m'aiderait. Il y en a partout de ces. Ah, mais il y a le troisième. Ah, mais oui, il joue avec nous, hein. Attention, je me fais défoncer. Là, tu vois, il le lève. Hop, il peut tirer. Bon, il attends, tu tires, il vise automatiquement ou t'as un truc. Non, il vise automatiquement. Hein. Enfin, par contre, il faut que tu sois dans la bonne direction. Oui, bien sûr. Ça va de soi. Hein. Ça va de soi. Donc, par contre, j'ai vu que t'avais pu accumuler l'énergie et ça fait un double tir là. Avec croix. Oui, voilà. Quand tu laisses, ça te fait un double tir. Alors, l'avantage de ça, c'est qu'une fois que tu tues
une fois que tu tues les monstres. Mm-hmm. Je sais pas si tu as vu, mais il y a des sortes de petits trucs qui boules, sont là, des petits haricots en fait. Petits haricots, d'accord. Alors c'est ce qu'on appelle les bonbons magiques, on le verra dans ouais, le film. Ouais, ok. Des sortes de friandises qui te permettent de gagner en énergie. Ah, attention, je m'en veux. Et vas-y, mais tire. Mais ça fait mal. Ne fuis pas, tel un lâche, Linux. C'est pas des surprises de Bertie Crochu. Ok, Bertie Crochu. Tiens. Voilà. Je peux pas te latter un peu, non. Pour l'affront, tu as osé. Non, on se latera dans un autre jeu. D'accord. Voilà. Donc là, tu vois, ces petits haricots, tu les gagnes. Nous devons tous lancer Wingardium Leviosa. Oui, les petits haricots, excuse-moi. Donc tu les gagnes, tu accumules ça, et avec ça, tu peux acheter des cartes. D'accord. Style des Magic, tu vois. Ouais. Tu vois ce que je veux dire. Donc t'es en train de tout me sucrer depuis tout à l'heure, là. Non. Tu te jettes comme un vaurien dessus. Alors, tu vois, elles explosent des monstres. Ouais. Alors, j'appuie sur Start. Donc elles explosent des monstres. Et une fois que ça explose des monstres, donc tu les ramasses. Mais si elles partent un peu trop loin, tu peux appuyer sur triangle. Triangle, ça les absorbe. Ça fait d'accord. Et là, tu vois, ils l'absorbent. Ok. Voilà. Et rond, il sert à quoi, rond? À rien. À rien. Bon. Voilà. Fait pour... en tout et cas, sinon, moi, les gâchettes. Donc là, tu vois, il te dit de maintenir carré. Et de virer le truc. C'est toi qui dirige le truc. Enfin, là, c'est moi qui dirige. Parce que bon, je suis Harry Potter quand même. Hein. Ouais, donc, t'es pas non plus petit joueur. Voilà, je suis pas non plus un petit joueur quoi. Sois prudent, papa. Donc voilà, là c'est sauvé. L'ambiance sonore est sympa quand même. Mais attends, mais je sais pas si tu vois quand même l'ambiance graphique. Oui, non, absolument fantastique. J'allais le dire. Le moteur est quand même plutôt puissant. C'est assez joli. Bon, après, on verra au niveau du gameplay, il y a des choses à redire. Mais c'est assez sympa. Je sais pas si tu avais connu. Je prends quelques. Orchideus. Alors ça, voilà. Ça, c'est des grosses options que tu peux prendre. Par exemple, là, tu vois, il y avait des monstres. Orchideus. Je me tourne vers cette pierre. Ouais. Et au lieu de tirer sur le truc, voilà. Laisse-moi le. Regarde. Attention. Et c'est pas un jeu. Attends, hop, je l'ai manqué. Tu vois, c'est magnifique. Et tu peux m'écraser par inadvertance. Voilà, exactement. Ah ouais, d'accord. Voilà. Parfois, c'est un peu brouillon pour voir. Ouais, exactement. Alors les caméras, c'est le gros souci. Quoi. C'est vraiment, vraiment le gros souci. Des fois, on est un peu éloigné du. Parce que. Tu vas recommencer plusieurs fois le jeu parce que en fait tu auras t'as différentes sortes de quêtes par exemple. Au d'un moment il faudra que tu gagnes des boucliers pour terminer les niveaux. Avec ces boucliers ça va te débloquer d'autres mondes auxquels tu vas accéder par la suite. Ok. Mais dans plusieurs mondes tu auras un bouclier, mais quand tu termines un niveau que tu attrapes un bouclier, mais c'est terminé. Ton niveau est non, en fait, ton niveau est terminé, ouais. Mais tu peux revenir sur le jeu pour rattraper un autre bouclier différent. D'accord. Tu veux pour te balader dans le niveau. Mais le gros souci, c'est que par exemple, tu as déjà fait un niveau, tu as fait tout le tour. Tout ça. En même temps, vas-y, je t'en prie. Je me fais plaisir. Ah. En même temps, donc tu peux prendre le niveau, tu peux faire le niveau en arrière pour certains levels. Parce qu'il y a des trucs cachés ou pas. Voilà, t'as des trucs cachés, t'as des plein d'options comme ça. Et quand tu fais le niveau en arrière, par exemple, la caméra est pas adaptée. C'est-à-dire qu'au lieu de suivre ta progression, par exemple, vers le haut... C'est la caméra que t'avais dans le bon sens, voilà, dans le sens initial. Ah ouais, là, donc là, ça, c'est la grosse déception. Bah, ça m'a vraiment... Ils auraient pu prévoir, quand même. Voilà, ça c'est dommage, mais bon. C'est dur de viser avec les projectiles. En fait, il y a une petite ombre, hein. Ouais, ouais. Tu remarqueras, mais ça conserve l'inertie du mouvement. Oui, j'ai l'impression. Ça c'est génial. Donc, faut bien calculer son truc. Ah non, mais en fait, tu le fais très doucement. Oui. Hop, tu le poses au-dessus de ta bête. Voilà. Tac, tu lâches. Ouais. Ça passe très bien après. Mais c'est vrai que ça, c'est agréable à faire de bouger les. C'est sympa, hein. C'est super sympa. Et un multijoueur, c'est un vrai plaisir. Hein. Tu verras. Je te montrerai après d'autres levels qui sont assez sympas. Voilà, là c'est pareil. Tu vois, comme c'était un gros rocher, donc il fallait le soulever à plusieurs. Par contre, si t'es que deux, ben ça marche pas. Donc t'es obligé de faire appel. Quoi qu'il en soit, à tes deux potes, les trois protagonistes sont tout le temps. Sont tout le temps ensemble. Tout le temps, tout le temps ensemble. Même quand tu joues tout seul, ils te suivent. C'est l'ordinateur. Si tu fais, un Gardium Leviosa, tout ça, machin. Ah oui, alors voilà. Ça, tu verras par la suite. Donc il y a la touche rond qui te permet de passer en furie en fait. Ah ouais. Donc, non, là c'est normal, c'est pas. Donc là justement, on va utiliser la petite pince. Là, je t'en parlais tout à l'heure. Pour déplacer les la petite pince magique. Hop, et là tu tires. Ah, non, attends, je suis toujours. Voilà. J'ai pas essayé. Ah d'accord. Ça suffit. Il faut que tu laisses appuyer. J'ai pas appuyé assez longtemps. Après, tu tires ta bûche et voilà. D'accord. Donc il y a plein de petits trucs comme ça qui sont assez sympas à faire. Pas mal, ouais. C'est assez sympa. Et alors, regarde, là, donc tu vois, c'est en fait là, je t'explique, Voldemort. Tu vois qui c'est? C'est le gros méchant. En fait, il faut pas prononcer son nom. Oui, d'accord. Ouais. Tu vois qui c'est? Ouais. Donc voilà, c'est lui qui a fait la cicatrice, notamment à Harry Potter. Je suis tout seul Et là, t'as pas osé. Et là, en fait, pour la petite explication, pour ceux qui n'ont pas lu le livre ou qui n'ont
n'ont pas vu encore les extraits du film. C'est dangereux par ici. C'est l'équipe de Voldemort, c'est sous Fifre, si je puis dire, qui attaque en fait, qui attaque une sorte de complexe sportif où sont réunis Harry Potter et ses amis pour regarder tranquillement, tu veux, une compétition sportive en fait. D'accord. Et donc il y a tout le camp qui est attaqué par justement ces sous Fifre là. Okay. Ces espèces de. Voilà, tout à fait. Donc là, oh, je sais pas si on l'a vu. Non, d'accord. Donc là, en même temps, donc, on se fait tirer dessus, tout ça, mais on risque rien. Hein. Ouais, ça fait partie du spectacle. Voilà, ça fait partie du spectacle. Donc là, c'est le gros. D'accord. La grosse scène d'action. Il faut bourriner de tous les côtés. C'est carré, non d'accord. Ouais, mais là, fait du croix. Hein. Du pilotage, si je vois. Voilà. Il suffit que tu vises bien et tout va bien se passer. Je me fais bien défense. Donc, comme je t'ai dit, j'ai pas terminé mon explication tout à l'heure à propos des haricots. Donc, les haricots te font gagner des cartes, on est d'accord. Mais avec ces cartes, après, à chaque. Voilà. Attends, il faut que je te montre ça aussi, c'est sympathique. Là, on va passer en furie. Parce qu'à force de battre, t'as une barre de protection qui t'excite donc Harry Potter. Et forcément, au bout d'un moment, il en a marre. Donc, il se lâche et là, ça fait une furie. Comme ceci. Il faut appuyer sur le rond. Voilà, il faut appuyer sur le rond. Appuie sur le rond. Voilà. Et alors là, quand tu tires, ça fait mal. Tu vois, ça part de tous les côtés. Ah, c'est joli. Visuellement. C'est joli, hein. On dirait feu d'artifice. Un petit peu confus. Mais ça fait plaisir parce que c'est pas tout le temps, tu vois. Ouais. Alors, au niveau de la maniabilité, il se retourne pas du tac au tac. Voilà, et hein? Non mais ça on apprécie. De quoi? Visuellement on apprécie, si tu veux. Que le mouvement soit décomposé. Alors par contre, tu vois. Au niveau du gameplay, moi voilà. J'apprécie moins par contre. Ah, ça c'est pénible. Parce que j'avais un monstre qui me collait au bas tout à l'heure, le temps que je me retourne il m'a bouffé. Voilà. Ouais. Ça c'est gênant. Mais bon, c'est vrai que l'animation elle voilà, est réaliste. C'est l'animation, ils ont privilégié en fait le réalisme et de coller au film. Quoi. Ouais, non. Et je pense que c'est pas plus mal. Oui. Par contre, pour ceux qui connaissent pas Harry Potter, c'est un jeu, moyen quoi. En fait. Ouais, c'est vrai. Il faut être fan un peu quand même. Moi, j'aime bien, j'aime plus que bien l'univers de Harry Potter. Ouais. Mais c'est vrai que. Et là, je trouve que le jeu est sympathique quoi. Bon, évidemment, il y a des gros problèmes, mais. Là, il faut que tu nous aides. Sinon, on peut pas la soulever. Il faut appuyer plus d'une seconde. Ah non, je suis trop loin. Ah, il faut que tu vises. D'accord. Attends, je reviens. Voilà. Hop, on va pousser ça. Impeccable. Bon, on a écrasé Ron en passant, mais c'est pas grave. Il se relèvera. Tu crois qu'il s'en relève? Voilà, quand même. Là, il y a des environnements quand même superbes. Quoi. Super vraiment, l'ambiance, elle est terrible. Voilà, il y a des petites friandises, n'oublie pas de les prendre. Dommage, j'aime bien dans les jeux où tu peux accélérer le rythme. Et tu vois, là, la caméra, par exemple. Bon, là, je pense que c'était voulu. Mais tu vois, la caméra, elle est. Elle s'est rapprochée de nous. Et elle est à l'inverse du mouvement. Donc, du coup, on s'est pris un éboulement sur la tête. Ouais. Oui, ça c'est voulu. Ça, tu peux pas le deviner quoi. Bon, ça fait partie des embûches. Mais c'est chiant à gérer, tu vois. Là, voilà, là, on est ici. Enfin, bon, on a du mal à se faire. Mais encore, ça va, les placements de caméra, ils sont pas trop merdiques pour l'instant. C'est vrai que non, si tu dois le faire dans l'instant, ça va. C'est sûr que ça doit être gênant. Et là, le niveau, il est relativement facile. Là, c'est le premier. Hein. Ouais. Voilà, il faut que tu m'aides à tirer. Comment va-t-on faire pour échapper à ce mangement? Ouais, il faut que tu m'aides à tirer quand même. On ne peut pas lui lancer de sang. Donc ça, c'est un sous-fifre de Voldemort. Hein. Comme il est en train de tirer. Bah, pourquoi il vient pas nous aider, Ron? Parce que c'est un petit joueur. Voilà, je te remercie quand même. Impressionnant, Harry. Je ne peux plus... Ah, d'accord. Voilà, ça c'est les petits blocages que t'avais les décors. Et alors que je ne touchais pas réellement quoi. Enfin, j'étais vraiment. Voilà. Les collisions, les étaient et tu pas. Et tu sais à quoi c'est dû ça? Non. C'est parce que justement, quand tu te retournes, il doit faire toute l'animation comme ça. D'accord. Il se retourne pas d'un coup. Allez, on porte au moins. Regarde. Super bien l'animation. Ouais, sympa. Et vraiment, les graphismes magnifiques quoi. Mais encore une fois, bon, c'est une licence bien exploitée. Ouais. Là, on a terminé. Parce que c'est vrai qu'on est habitué à voir des adaptations de films ou de mangas pourri. Donc là, c'est bien adapté. Electronic Arts qui régale là. C'est clair. Mais comme jeu en soi, c'est pas comme tu disais, c'est pas ultra transcendant. Non, c'est pas ultra transcendant, mais par contre, pour ceux qui apprécient un petit peu la série, je trouve que c'est vraiment un jeu sympa quoi. Ouais. On retrouve parfaitement l'univers du film. Ouais. Le moteur est sympa, le moteur 3D, il se traîne un petit peu par moment. Ouais, quand ça commence à péter de tous les côtés. Mais bon, c'est vrai que c'est super rare. Mais il est agréable à deux. Tout seul, il doit être peut-être. Je sais que tu as pas mal joué tout seul. Non, franchement, tout seul, il était sympathique. C'est sympa quand même. Ouais, je me suis pas mal régalé, mais aussi j'aime bien la série des Harry Potter. Je pense qu'un joueur X n'appréciera pas forcément de jouer tout seul. Parce qu'en solo, par contre, ce qui fait chier en solo, c'est que quand tu recommences un niveau,
Enfin, tu recommences un niveau pour gagner, tu vois, de nouveaux boucliers qui te permettent de gagner d'autres niveaux, de débloquer d'autres niveaux. Ça, c'est pénible de les refaire à tout seul. Ça, ça devient. Puis des fois, tu dois avoir envie de dire à l'ordinateur, mais putain, mais bouge ton cul. Ouais, voilà. En fait, t'as toujours l'ordi qui traîne derrière là. Mais bon, c'est pas plus mal. T'as deux, tu peux lui dire. Bah, Harry Potter s'occupe de dire justement, bougez-vous. Ah, il le dit. Ah, il le dit. Donc, c'est sympathique. Quand t'as un solo, hein. Pas mal. Quand t'as un solo, donc ça fait plaisir. Donc, ça, c'est le nouveau professeur de protection contre les forces du mal. D'accord. Et donc, pour jouer à 3, il faut le multipad. Voilà, tout à fait. Tu as tout compris. Voilà. Donc, je vais te montrer. On va reprendre la partie en solo. Où j'ai fait une petite sauvegarde qui te permettra de jouer en fait. T'allais jusqu'à quel niveau là? Dans un nouveau niveau, tu vois. Je suis à peu près là, la sauvegarde qu'on va mettre, elle est à peu près à la moitié du jeu, quoi, quelque chose comme ça. Pas mal. Parce que bon, pour savoir, pour information, donc le film. Alors là, par contre, il faudrait. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans un. Ouais, ça c'est le problème. C'est il faut rentrer dans un jeu et faire quitter en fait. Donc vas-y. D'accord, bon, en premier, n'importe lequel quoi. Oui, allez, hop, mais n'importe lequel, ça ira bien. Donc je vais faire un petit récapitulatif en fait. Dans ce nouveau film de Harry Potter, il y a un tournoi, c'est le tournoi des grands sorciers, c'est sur ça que va se dérouler en fait tout le film, le tournoi des trois sorciers. C'est une énorme compétition inter-sorcier, voilà. Et en fait, t'as une coupe de feu. Que on voit là en fait au moment où on sélectionne les niveaux, la coupe de feu bleu, qui te dit quel personnage en fait quelle personne va s'affronter en fait au tournoi des trois sorciers. Ah d'accord. Ok. Sympa les petites animes de. Oui, perso, oui ça passe tout seul. Donc là il faut faire encore sélectionner pour pouvoir quitter après ou pas? Oui là il faut. On resélectionne. Ouais il faut que tu resélectionnes un personnage. Ouais, j'aurais pas dû appuyer du coup. Si vas-y. Je voulais changer mon trop tard. Appuie sur croix. C'est ce que j'ai fait. Sélectionner. Ah non, c'est moi, je suis un joueur 2. Ah, ce que j'ai. Ah oui, t'as appuyé après. Parce que c'est en toi fait. Qui as appuyé, voilà, autant désolé. Pour moi. Ok. Donc voilà, et là en fait, c'est ici que tu choisis les cartes que tu gagnes avec les petits haricots. En fait, les petits haricots te permettent d'acheter des cartes. D'accord, c'est l'argent. Donc ça, c'est, voilà. Et ces cartes permettent de booster tes personnages. Là, comme booster tu vois tes ici. Pouvoirs, tes. Ouais, tu vois, endurance, sort, okay. Machin. Et t'as un Axio. Truc pour ceux. Axio, qui... c'est quoi? C'est le pouvoir d'attirer les sorts, non? Voilà, en fait, c'est le carré en fait. C'est le carré? Ah, c'est ça, Axio? Ouais. D'accord, pardon. Ok, je pensais non. que c'était triangle. Non, c'est triangle pour absorber les. Axio ouais, c'est voilà, triangle, c'est hein. ça. En fait, plus ça augmente, plus t'as un périmètre de. Voilà, tu peux aspirer, voilà, exactement. Et là, donc, sort, carré, les cartes d'accord. que tu gagnes, donc tu les rajoutes, tu peux en mettre 3 par niveau. À chaque niveau, tu peux changer de carte. Mm-hmm. Et par exemple, tu as une carte d'endurance qui te fait monter l'endurance. Tu as une carte, mais selon l'endurance, le niveau. L'endurance, c'est la barre de vie. Selon le niveau, voilà, tout à fait. Selon le niveau, il faut que tu boostes plus l'endurance parce que tu vas plus te faire frapper, il y aura plus de monstres ou plus faut, de sorts. Il faut connaître parce un que petit peu à quoi tu vas voilà. t'attendre. Voilà. Et pour ceux qui n'aiment pas forcément ce système, il y a la petite icône de carte automatique là. En fait, qui te permettent de poser les cartes automatiquement, toutes les cartes que tu possèdes, il va te choisir le mieux pour le niveau, il va adapter approprié. Le mieux, voilà le plus approprié, bien, il va te mettre les trois cartes et après il te suffira de valider. D'accord. En fait, surtout, pour chaque tu connais pas forcément peux... à quoi t'attendre. Tu sais pas à quoi t'attendre. C'est pour ça que chaque fois que je commence un niveau, tu le laisses choisir lui-même. Donc je te laisse appuyer sur croix, pardon. Parce que c'est toi qui as la main. Ok. Et donc voilà, donc là je vais te faire en fait faire un niveau. Ah, c'est moi qui vais jouer. Oui, c'est toi qui vas jouer. Là, faut annuler, là, faut quitter. Voilà, il faut quitter. Ta sauvegarde, après, ça, voilà. C'est chiant. Ah, c'est un peu pénible. Moment, vous vous demandez sûrement pour quoi je vous ai. Hop, pardon. Quitter, d'accord. Les temps de chargement, ça va, pas trop long. Pour l'environnement que c'est je va, dirais que c'est va. Correct. Ouais. Niveau qualité chargement, on dira, ça va, c'est correct. Et donc en fait, t'as trois grandes épreuves dans le tournoi des grands sorciers. J'en reviens. Ouais. J'y reviens, pardon. Et dont notamment, en fait, tu dois aller prendre, je sais plus ce que c'est, si c'est un œuf ou un médaillon, d'un dragon. Tu veux, il y a un dragon qui protège cet œuf ou ce médaillon, et toi, tu dois aller le chercher. Et c'est là où je vais te faire intervenir Nidus. Je pose la deuxième manette. Voilà, alors, tu peux poser la deuxième manette, pas de soucis. Voilà. Et ce niveau est intéressant parce que c'est un autre gameplay, en fait. Ah, pas mal. Ça, c'est, j'aime en bien fait, les jeux où le gameplay change. Voilà, et ça on apprécie. C'est bien ça. Et le truc qui est bon, c'est que là, tu es sur, t'es sur ton balai. D'accord. Et là, c'est sympathique. Tu verras. Ok. Et bon, bah, merci. Et là, attends, je vais te le sélectionner. Au niveau des touches
Là, il y a juste la direction. D'accord. Tu peux accélérer, ralentir, tout ça? Non. En fait, justement, l'accélération, tu verras, tu as des anneaux de turbo, en fait. D'accord. Il faut que tu les prennes pour pouvoir après booster. Okay. Il faut que tu évites les tirs du dragon. Parce que c'est toi, t'es en fuite, en fait. Hein. Ouais. Donc il est derrière toi, ou alors il est devant toi, il tire pour te bloquer. Enfin bon. Il faut faire quoi? Il faut juste lui échapper ou faut le défoncer? Non, il faut lui échapper tout simplement. D'accord. Mais prendre un maximum de turbo. C'est une course contre le temps, en fait. D'accord. Hein. Okay. Plus tu arrives vite, plus tu gagnes de points. Okay. Tu gagnes des petits boucliers. On en parlait tout à l'heure pour débloquer les niveaux. Donc voilà, tâche du tournoi 1, le dragon. Okay, okay. J'ai trouvé ça sympa. Ça casse un petit peu ce rythme de, en fait, de jeu semi-plateforme action, en fait, hein, qui ouais. est presque. C'est un beat'em up, quoi. Hein. Voilà, en fait, c'est tout à fait ça. Tout à fait ça. C'est un petit peu le même système dommage, que le Seigneur des Anneaux. Deux, trois, quelques plateformes, tout ça. Et voilà, mais ça, je suis vraiment déçu de ça. Tu vois, c'est une sorte de. Des images 2D avec différents plans. Voilà. On n'a pas d'image du film. C'est quand même dommage pour une licence comme ça de pas avoir le film, alors qu'ils ont la licence. Moi, dans un jeu, j'aime pas spécialement les vidéos tirées de films. J'aime bien rester dans l'univers. Mais là, quand même, 3D. C'est dans une licence, tu vois. Ouais, mais même, j'aime bien que ça soit de la. Et la 3D alors, temps réel, même dans les voilà, intros, j'aime voilà. bien. Ou même de la 3D temps réel, ça aurait mieux passé, je pense. Donc je mets en avant pour aller plus vite. Non, en avant, ça fait descendre. Tu vas comprendre dessus. Ok, là. C'est bon. Pas mal, hein, pas mal. Et tu vas voir, les décors, allez, c'est super tu en beau. Prends plein la vue. Là encore, ça va, c'est moyen. Okay. Alors quand on va passer près de la plage, je pense qu'on le finira, le niveau 1, il faut 3-4 minutes pour le finir. Je l'ai pas pris celui-là. En fait, pour te donner un petit coup de main, tu as cette traînée de vapeur là, que tu peux suivre. D'accord. Qui te donne la courbe parfaite en fait. Ok. Simplement. Donc c'est pas très compliqué. Voilà, et ça c'est un petit turbo. Ça bombarde. C'est sympathique. Ah ouais, il est prends un autre, voilà. Faut que tu en prennes un maximum. Voilà, voilà. Après ça part dans tous les sens, hein, bien sûr. Il faut savoir que plus tu vas vite, plus tu gagneras de boucliers. Voilà, bah, il est joli, hein. Alors là, ah, je sais beau, pas hein. sur ce coup là. Graphiquement, non mais tu vas voir au niveau de la plage. On va même arriver je sais plus si c'est justement à Poudlard. Je le ramasse des branches. Suis la traînée. On va arriver à Poudlard, tu verras, il y aura des bâtiments et tout, c'est magnifique. Hein. C'est magnifique. Là, c'est MotoJet là. Ouais. Oui, exactement. C'est ça qui est génial. Ça lui fait trop penser. Ah ouais, c'est surpuissant là. Un ouais. Star Wars. Voilà, donc au loin, n'est-ce pas? Terrible. Et beau, ouais, le dragon. Ah ouais, elle est surpuissant. Bah, cette phase de jeu, elle est terrible. Voilà, donc là c'est joli. Dans les décors et tout. C'est joli, non? Non, c'est. Et au moins, t'as une certaine tension. Voilà, tout à fait. T'as une pression. T'as une pression. Ça te casse ce rythme, justement, exactement. Où tu te reposes un petit peu. Waouh! Ouais, il le dit d'ailleurs. Waouh! Le turbo. Un peu tout, là. Faut m'envoyer attention, là, attention. Il faut que tu prennes un maximum de haricots pour après pouvoir acheter des cartes, bien sûr. D'accord. Attention les murs, monte. Voilà. Donc là on est dans la ville, je trouve que c'est sympa. Ah ouais, mais je crois il est varié. C'est Poudlard ici. Il est bien varié ce niveau. Regarde-moi, c'est joli comme graphisme. Vraiment sympa. Ah merde, mais vu que c'est du précal, un peu à la Panzer. Ouais, du précalculé. Ouais. Ouais, faut connaître un peu le. Puis il est subtil, elle est subtile la traînée de. Tu sais la petite traînée de vapeur là. Ouais. Tu la vois pas tout le temps. Surtout que les décors sont pleins à craquer. Ah ouais, c'est clair. Tu vois pas tout le temps où il faut aller, c'est bien. Bon après, une fois que tu connais le circuit. Et la musique. Ah non, là il est fabuleux là ce niveau. Somptueux. Alors attends, j'avais pris quelques notes. Ça peut être intéressant, il y a quoi de bien. Donc oui, ça sort en face le 30 novembre, on l'a dit. Ça sort le 18 novembre aux États-Unis. Là je parle du film. D'ailleurs même je vous mettrai la petite bande d'annonce à la fin du film. Je pense que c'est sympa de le voir. On teste le jeu, puis après la petite bande d'annonce puisque le jeu. Excuse-moi, je suis un peu dedans. Vas-y, je t'en prie, regarde. Regarde ces décors, tu vas passer sous une cascade, tu verras, c'est magnifique. C'est magnifique. Merde, je loupe tout.
désolé, hein, amis téléspectateurs qui nous regardent. Ah oui, alors ah oui, petite. La conduite n'est pas. Petit, parfaite. Petite, je dirais, petite sympathique, puisque, en fait, dans le film, la coupe de feu qui désigne les personnages qui vont participer justement à ce concours des trois sorciers. Je loupe tout, excuse-moi. Hein. Vas-y, vas-y, y a pas de souci. La coupe de feu sélectionne Harry Potter, alors que Harry Potter n'a pas l'âge légal pour participer au concours des trois sorciers, au tournoi des trois sorciers. Donc, bon, il le fait un petit peu à contre-cœur, je dirais. Mais on verra par la suite que ce n'est pas pour ça en fait. Enfin bon, je n'ai pas vu. C'est vrai que ce niveau-là était vraiment sympa. Non, il est pas fini, il est pas fini. T'as passé la cascade ? Non, pas encore. Ah mais tu vas voir, tu vas passer la cascade, c'est magnifique. Mais je pense que quand même il vaut mieux y jouer à multijoueur, tu vois. Ah ouais, là, c'est sympa. Ça passe. Là, il a mangé une petite paroi là. Ouais, léger. T'as une barre d'énergie ou c'est que le question de temps ? Non, t'as une barre d'énergie aussi, quand même. Hein. Ah là là, je joue tout. C'est pas évident. À haute vitesse, c'est pas facile. Non, non. En fait, il faut vraiment être très léger sur le joystick. Hein. Ouais. Voilà. En même temps, il faut essayer d'éviter les flammes, tu vois. Tu vas finir en poulet rôti si ça continue. C'est là où tu vas que ça crame, facile. Tu n'y vas pas. Voilà. Là, les cascades. Regarde-moi ça. Tu peux passer dessous, y a pas de souci. Tu vas où tu veux. Hein. Enfin, bon, t'as une certaine limite, bien entendu, mais. Voilà, il nous faut le. Ah, mais c'est bon, on est sur la fin. C'est bon, t'es souillé. Ah, il est sympa. Hein. Puis en plus, t'es dedans quand même. Hein. Ouais, franchement, c'est sympathique. Là, tu as mis, tu vois, 4 minutes 35. Donc, c'est une honte, quoi. Tu m'as habitué à mieux, là je suis extrêmement déçu. Félicitations quand même, j'ai des félicitations. Bah, félicitations parce que t'as terminé en vie, encore. Bon, t'as les chaussures qui crament, comme je veux dire. Elles crament parce que c'est à cause de la vitesse. Les frottements contre l'air, tout ça. Ça doit être ça, ça doit être ça. Donc voilà, je pense qu'on en a terminé avec cette super, Harry Potter. Sympa. Donc sympa, un jeu sympa. Sympathique. Bon, c'est pas non plus le top du top, mais c'est assez sympa à jouer, surtout en multijoueur, franchement, c'est sympa. Ouais, voilà, ouais. On a envie de recommencer les niveaux, de refaire les niveaux. Au niveau de durée de vie, je pense qu'il faut à peu près. Oh, si vous prenez votre temps, vous jouez tranquille 10-15 heures. C'est pas super long. Ah, c'est pas super long. Mais bon, voilà quoi. Il est joli. Mm. Il est joli, il fait plaisir aux yeux, il fait plaisir à jouer. Notamment, il y a des petits niveaux comme ça où c'est sympathique. C'est une licence bien exploitée quoi. C'est une licence bien exploitée. Electronic Arts a frappé. Hein. Donc voilà, c'est satisfait. Bon, mais merci Ninux. Merci à toi, c'était un plaisir de me faire ridiculiser. Mais non, mais je t'en prie, il n'y a pas de souci. Donc on se quitte avec la bande-annonce de Harry Potter donc, qui sort le 30 novembre au cinéma. Je vous invite à aller le voir. Harry Potter, ça passe bien. Harry Potter, ça passe toujours bien. Ouais. Et tu sais ce qu'il dit, Harry Potter ? Non, vas-y. Il dit au plaisir. Et allez, ciao, ciao. Hogwarts will pay host to a legendary event, the Triwizard Tournament. As from this moment, the tournament has begun. If chosen, the student must survive three dangerous tasks. Only one will go down in history. Only one wins eternal glory.